Bonjour Jérôme, merci beaucoup pour cette interview. Encore bravo, bravo pour Scality. On est tous très, très fiers de ses performances. Et merci d'accepter aussi cette interview pour nous parler un peu de lui et comment tu utilises les données Equipmètre pour le suivre au quotidien. C'est un cheval qui a pris 6 ans, avec lequel nous avons vraiment démarré tout bas de l'échelle dans des courses provinciales. Il a débuté à Nîmes. Il essaie d'entrevoir des moyens, mais il avait eu énormément de soucis étant jeune. Donc, on l'a énormément respecté en début de carrière en lui donnant les tâches les plus faciles que possible. Il a toujours répondu présent. Il a gagné, je crois, ses 3 premières sorties. Puis, il était le moment de le sortir au grand jour et de le tester dans une listade. Là, c'est pour la première fois qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas si simple à gérer que ça, parce que d'un point de vue mental, on l'avait complètement perdu à Cagnes-sur-Mer lors du Grand Prix de la Riviera. Ce jour-là, tout est allé de travers. Il a pris un cheval lâché au pré-rond. Ça l'a énormément énervé et tendu. Après, au rond de présentation, il était très énervé. Il a fait un canter d'essai qui n'était vraiment pas optimal puisqu'il n'était pas détendu. Dans la boîte, il a vraiment perdu patience et il a tout cassé. Et en course, il a tout fait à l'envers, il a énormément tiré et il a anéanti ses chances. Mais malgré tout, ce jour-là, il a tout fait à l'envers, il a énormément tiré. Mais j'avais jamais vu un cheval finir avec l'action qu'il avait fini, malgré que tout se soit mal passé. Donc la perf était décevante sur le papier, mais j'étais assez impressionné du fait qu'il ait été en mesure de terminer en avançant avec une belle action, sachant qu'il s'était pas bien oxygéné dans le parcours. Il a fallu tout reprendre de zéro en quelque sorte et se rassurer. Derrière, il nous a rassuré pleinement puisqu'il avait gagné dans un canter une course à conditions à Chantilly. Puis il avait confirmé ensuite à Longchamp en s'étant déféré d'un antérieur. Il avait quand même été parvenu à gagner rapidement. Derrière, il a gagné le Grand Prix de Marseille-Vivaux. Derrière, il a gagné le prix Jacques de Brémond. Derrière, il a gagné le prix Quincey. Ensuite, il a gagné le prix Dollard et il a gagné, pour terminer son année de 4 ans, le Premio Romain à Rome. Et tout ça avec un laps de temps d'un mois et demi entre ses courses pour s'assurer qu'il redescende bien en pression après le remonter gentiment. Puis après, il a fait l'année de 5 ans qu'on le connaît, c'est-à-dire avec un confinement qui nous a empêchés de le courir pendant plus de 6-7 mois. Et il a fait des rentrées sur des distances plus courtes parce qu'on savait qu'il allait être très allant. C'est ce qu'il a montré le jour de sa rentrée. Pareil, il a tout fait à l'envers malgré qu'il ne soit pas énervé au préliminaire. Quand les boîtes se sont ouvertes et qu'il s'est retrouvé sur le gazon, il a voulu en découdre trop vite. Et du coup, il avait été trop allant et Pierre-Charles l'avait énormément respecté pour juste faire la ligne droite au bras. Malgré qu'il ait énormément tiré et consommé dans le parcours, il avait terminé en avançant, il avait fait une belle ligne droite. Donc, on savait que le jour où on allait l'avoir détendu, ça allait être un tout autre cheval. Et c'est ce qu'il a montré quand il a gagné le prix Gontaut-Biron en battant Sottsass. Et derrière, il a gagné un deuxième prix dollar et on a tenté l'aventure en Angleterre à 2 semaines en tentant les Champion Stakes. Et c'est là qu'il s'est très bien comporté en prenant la deuxième place des Champion Stakes. Ensuite, on s'est un peu enflammé et on a voulu tenter l'aventure avec Hong Kong. Et c'est vrai qu'on a revécu un peu le scénario catastrophe de Cagnes-sur-Mer où il a fallu faire 30 minutes de camion juste avant la course et on l'a un peu perdu. Il était très énervé, un peu anxieux. Le rond de présentation est assez impressionnant à Châtine. La piste était très ferme, il a raté son départ. On est tombé sur une édition qui se déroulait à un rythme très peu soutenu et du coup il a énormément tiré. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Par contre, il n'était pas en mesure de fournir sa pleine valeur. On a vu le résultat à l'arrivée, c'était assez décevant. Voilà, c'était pas une bonne expérience que ce soit sur le plan sportif et sur le plan humain, parce que c'était des conditions un peu particulières. Mais c'était quelque chose qu'on voulait oublier au plus vite. Nous, on l'a toujours dans nos mémoires et lui, il nous a rassuré hier qu'il avait déjà tout oublié en redevenant le squelette qu'on connaît. L'été étant jeune, il avait une certaine routine dans laquelle il fallait surtout pas en sortir. Il a son rond en bas, il y a 3 ronds pour marcher avant de monter au canter, et lui, il fallait impérativement qu'il soit dans son rond, sinon il était un peu perturbé. Il fallait impérativement qu'il sorte au premier lot, puisque s'il sortait au deuxième et qu'il voyait des chevaux partir au premier lot en piste, ça l'inquiétait un peu et il s'énervait dans le box. Il faisait tout en fonction de lui et pour pas qu'il s'énerve et qu'il reste dans cette routine qui lui convenait très bien. Et c'est vrai qu'en vieillissant, il s'est énormément assagi parce que maintenant, il est en mesure de pouvoir sortir au deuxième lot sans poser de problème. Il peut tourner dans un autre rond. Ça ne lui plaît pas forcément, mais il arrive quand même à se doser et à mieux gérer son influx qu'auparavant. C'est pour ça qu'à 6 ans, effectuer une rentrée sur 2000 mètres, ça ne m'inquiétait pas trop, puisqu'il est devenu beaucoup plus gérable.
Et on sent qu'il a pris énormément de maturité. Et on l'a vu dans son comportement en course hier. Il s'est vraiment bien comporté. Et avec les données grâce à Arioneo, on voit qu'il a toujours... C'est vraiment un métronome. Il a toujours la même quasi-amplitude. Il a la même récupération. Il arrive vraiment à nous fournir des valeurs d'entraînement qui sont très similaires les unes aux autres. Que les mois passent, que les années passent, ça reste le même Scaletti. Et on voit vraiment qu'on peut aller en toute confiance aux courses, même avec quelques mois sans courir et même avec une période de convalescence qui a été assez importante après Hong Kong. On peut voir que le cheval, on le prépare d'une certaine manière. On ne fait pas des travaux rapides, il se prépare juste sur des canters d'entretien, mais qui sont quand même assez poussés. Et voilà, on peut voir que même après 3-4 mois d'inactivité, il peut revenir et être le vrai Scaletti qu'on connaît. Voilà, on a plusieurs côtés d'entraînement sur les pistes de Calas. Le samedi, c'est un côté qui est assez sélectif, qui est assez intéressant, puisque l'effort se fait sur un faux plat. Pour avoir un comparatif, on utilise toujours plus ou moins le même côté pour avoir les mêmes références en termes d'entraînement. C'est sûr que selon la météo, la profondeur de la piste en sable, elle varie quelque peu. Et c'est sûr que les données semblent pas exceptionnelles parce qu'on n'est pas sur une piste plate et une piste de course qui peut être très rapide. On est sur une piste en sable qui est assez profonde et qui monte. On dépasse rarement les 60 km/h. Ces entraînements qu'il fait en faisant presque la minute au kilomètre sur 600 ou 800 mètres, ça suffit pour le garder en bonne forme et l'entretenir au fil des semaines. On monte gentiment l'intensité au fil des semaines. Et quand il arrive à une récupération excellente, c'est-à-dire après 15 minutes, il est redescendu en dessous de 100 et on voit un cheval qui monte au fil de ses canters physiques. Physiquement et mentalement, on est tout de suite rassuré, quoi. Bah c'est vrai qu'ici, on voit vraiment qu'il a une récupération assez impressionnante. Donc, il atteint sa FC Max là, à peu près au même moment où il atteint sa vitesse maximum, donc 218 battements par minute. Et puis après, dès qu'il commence à décélérer, on voit tout de suite que sa fréquence cardiaque baisse immédiatement et qu'il redescend presque au moment où il repasse au trot. Il est retourné en dessous des 100 battements par minute. Ça, c'est une récupération d'un cheval de groupe. Après, moi, ce que j'avais trouvé assez intéressant, c'est que sa récupération après 15 minutes, souvent, elle ne descend pas en dessous de 90 battements par minute. Et une fois, tu m'avais expliqué pourquoi. Oui, non, c'est sûr que c'est... Après, c'est environnemental. Le fait de terminer son travail, il est toujours dans le contexte de piste d'entraînement. Il n'est pas revenu tout de suite à l'écurie. Donc, il y a tout un long chemin, une longue promenade pour revenir à l'écurie. Et c'est certain que quand il marche et qu'il voit les autres chevaux monter au canter, ça peut le monter un peu en pression. Et donc, il se relâche pas véritablement tant qu'il est dans son rond à l'écurie. Il reste quand même assez éveillé et réveillé après ses canters. Et tant qu'il n'est pas revenu à l'écurie, qui sait qu'il ne va pas retourner au box, ouais. Il ne redescend pas complètement, quoi. Et tu vois ici, dès qu'il arrive, ça tombe. Il repasse carrément à 53. Ouais. En retour au box. Cavalier le connaît par cœur, c'est toujours ouais. Le même cavalier qui le monte. On a un entraînement très spécifique à faire avec lui. Et c'est vrai qu'il a vraiment le chrono dans la tête, le cavalier, puisqu'il connaît son cheval. Il lui demande de répéter le même entraînement continuellement quand on le teste. C'est sûr que Arioneo, je le mets pas pour faire des petits canters ou des galops de chasse. Ça ne m'est pas très intéressant pour un cheval comme ça. Pas comme les 2 ans où on sent une progression au petit canter à des allures de 45-50 km/h. Là, on a un cheval qui a un niveau de fitness optimal. Et c'est que quand on vient un peu dans le rouge qu'on arrive à tester le cheval et à se rendre compte de son degré de récupération. Et c'est vrai que son cavalier est assez fort pour pouvoir répéter continuellement le même entraînement et pour pouvoir avoir des données sur lesquelles on peut se référer. Et comparativement, c'est assez exceptionnel de retrouver ce métronome comme ça au fil des semaines et des mois et des années. C'est impressionnant parce que, par exemple, si on regarde, donc là, j'ai trié par vitesse maximale et là, on regarde ces deux lignes-là. On a le 6 mars 2021 et le 7 mars 2020. C'est exactement le même travail. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Les meilleurs temps. Alors, on le préparait pour l'Edmont Blanc, par contre, pardon, parce que je voulais rentrer sur 1600 mètres et pas sur 2000. À 2000, on avait couru justement Spirit of Nelson, qui était une pouliche de l'écurie. J'ai peur que les 2000 à 5 ans, ça soit un peu trop long pour une rentrée. Et donc, je voulais m'assurer qu'il ne tire pas pour sa rentrée. Et donc, nous avons visé
L'Edmont-Blanc, qui devait se disputer juste après le début du confinement. Donc malheureusement, il n'avait pas pu se présenter dans ce prix Edmont-Blanc et on avait attendu un peu plus tard des groupes sur 1600 mètres au mois de mai et juin. C'est vrai que là, ça aurait été super intéressant d'avoir la course qui suivait cet entraînement pour la comparer avec cet entraînement-là, avec le résultat en course qu'on connaît. Parce que moi, je trouve que vraiment, une des utilisations équimètres qui est passionnante, c'est vraiment de prendre une photo à un instant T de l'état de fitness du cheval et de pouvoir le corréler avec les résultats en course. Et ici, le résultat que tu as pour cet entraînement-là, il te servira pour toutes les prochaines courses sur cette distance-là. Et tu sauras que le métronome Scaletti, tu connais ces données. Ah ouais, complètement. Ça, c'est vraiment une valeur d'entraînement sur laquelle on peut s'appuyer. Il y avait des paramètres qui avaient changé. On a changé sa ferrure. Il est passé de fer cloué à fer collé. On avait vu qu'il y avait une petite perte d'amplitude le concernant. Ouais. Mais c'est normal, c'est un cheval qui est un peu en train de vieillir. Là, il a plus la souplesse d'antan, peut-être, mais il arrive à compenser et à être tout aussi performant, quoi. Ouais, ici, on voit en effet qu'il avait, par rapport à son amplitude max, il a perdu 10 cm depuis l'année dernière. Ce n'est pas forcément gênant parce qu'il a quand même augmenté sa cadence à 60 km/h et compense par une meilleure cadence, quoi. Les chevaux courent à peu près à une fois par mois. Ça laisse le temps d'avoir une semaine, 10 jours de vraie récup. Moi, je leur fous la paix en les gardant qu'au trotting et au chasse. Tant que ce n'est pas eux qui veulent vraiment reprendre avec un peu de fraîcheur les canters, on a tendance à vraiment les laisser tranquilles. Donc souvent, la reprise des canters s'effectue pile une semaine après ou des fois 8-10 jours après, selon les chevaux. Scaletti, lui qui a l'objectif du prix gagné le 2 mai, on a vraiment un mois et demi pour être tranquille. Donc, on peut vraiment faire une récup et en jouer un peu en faisant une récup peut-être de 2 semaines, en le laissant tranquille. Mais je sais qu'il va tout de suite avoir une accumulation de fraîcheur où il va demander de recanterrer. Donc, de lui-même, on le reprendra gentiment. Et voilà, c'est vraiment le cheval, son état d'esprit et son état physique et sa motricité qui fait qu'on reprend le travail. Il fait 2 vrais canters par semaine, le mercredi et le samedi. Et c'est vrai que le samedi, j'aime bien l'équiper d'Ario Neo pour avoir un point d'appui et en plus de l'opinion de son cavalier qui le connaît par cœur et de mon œil qui commence à le connaître bien parce que maintenant je l'observe depuis plusieurs années. C'est bien de pouvoir se référer à des données chiffrées et confirmer ce que l'on pense du cheval.